Salut tout le monde. Donc effectivement, on a des petits soucis de son. Voilà. Moi, j'aime bien qu'il fonctionne. C'est bon, il a trouvé la bonne molette. C'est bon, c'est bon. Ah, vas-y. Alors, premier match de l'équipe de France, ce sera contre l'Écosse. C'est bien ça. Et le deuxième match contre la Russie. Alors, Normalement. premier match à 22h, deuxième match à 22h30. Donc, nous avons la compo. On va la détailler ensemble. Marco et Kedo, c'est parti. La voici. Donc, au gardien, on a Kills. Défenseur centre, Lele. Défenseur droit, Juanito. Défenseur gauche, Noshit. MDC, nous avons Yass et Bunny. MG, Johan. MD, Nino Pat. MOC, Pepe Vargas. Et en attaque, Maté et Lenny. Ouais, bah, c'est une bonne équipe sur le papier. On va voir ce que ça va donner dans quelques minutes là. 3-5-2, un copeau offensif, hein, donc moi j'attends du jeu et beaucoup d'actions offensives de la part de l'équipe de France et attention sur les ailes en défense. Qu'est-ce que vous pouvez dire des adversaires? Ben, on les connaît pas énormément au niveau de l'Écosse, donc on sait que VPG est quand même à majorité anglaise, puisque c'est un site de là-bas, donc il se peut qu'il y ait quand même des gros joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'infos sur leur compo, donc pas évident de juger. C'est une première pour VPG. Je crois que c'est leur première Coupe du Monde, si j'ai pas de bêtises. Enfin, du moins, c'est leur première organisation internationale depuis qu'ils existent. Après, derrière, pour la Russie, bah, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ce sera celle qu'on connaît qui a un gros potentiel, hein, ou bah, ce sera une grande découverte, on va dire. Ok, donc moi j'ai été voir un petit peu les équipes adverses. Donc en Russie, nous avons Danaef, je crois. Ah, donc on Et connaît. c'est bon, c'est quoi ça, un ailier? Oui. Voilà. Donc il y a une base de joueurs de VFC Krasnodar, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ouais, c'est ça. C'est une base Donc d'OGM Krasnodar. c'est une Oui. très bonne équipe. Voilà. Oui. Après l'Écosse, rien d'intéressant. Enfin, j'ai rien trouvé sur eux. Donc je peux pas en dire Ouais. plus. Bah, on verra bien quoi. Donc pas tomber dans la facilité en se disant l'Écosse c'est passé et la Russie on va laisser de côté. Bon, je pense que maintenant on a quand même une équipe qui tourne depuis un certain temps. Donc à partir de ce moment-là, on va leur faire confiance là-dessus. Hein. Donc parlons un peu de nos bleus. L'équipe en elle-même, sur le papier, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs qui sont connus, finalistes de la National League et à VPA. Donc, C'est ça. favoris, on va dire, un petit peu sur le papier ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez, Marco Kedo? Moi, je laisse Marco commencer. C'est piégeux, les débuts de compétition comme ça. On ne sait pas trop l'état de forme des équipes, pareil en face. Donc, oui, techniquement, sur le papier, la France est toujours favori, mais après, il faut concrétiser. Surtout que dans la campagne de qualif VPG, ça n'a pas été, on va dire, brillante. Donc, on verra bien. Voilà, c'est ce que entre guillemets je pensais sur les qualifications qui on va dire au départ je sais pas si elles ont été prises à la légère, je pense pas, hein, on avait discuté avec Mika. Mais l'image qu'a donnée la France sur les qualifs était pas exceptionnelle. Bon, ils se sont fait pas mal troller par il semblerait les Portugais notamment. Donc on attend de voir, je pense qu'ils auront à cœur de rectifier cette information malencontreusement transmise et puis qui vont
Ouais, on va être vulgaire. J'espère qu'ils vont exploser l'Écosse et qu'ils vont faire très bonne figure devant la Russie, hein, parce que si je dis pas de bêtises, on les avait rencontrés sur la première Nations League, la Russie. C'est un adversaire que la France rencontre souvent et c'est toujours serré. C'est toujours serré. C'est serré. L'une gagne, l'autre on gagne. Donc ouais, pas prendre la confiance devant l'Écosse, mais de marquer des points dès le départ. Hein, de toute façon, peu importe la compétition, là on arrive sur du logiquement du niveau international. Hein, donc même si on connaît pas les Écossais, j'espère que les Français ils auront à cœur de montrer qu'ils sont là et qu'on peut compter sur eux. Donc personnellement, je dirais confiant pour l'Écosse, à voir. Confiant pour la Russie. On va être confiant, mais c'est pas gagné d'avance. Ok, très bien. Donc, on me dit dans l'oreillette que l'équipe de France a fini son échauffement et ils vont rentrer dans le vestiaire pour les dernières consignes. Donc, que pensez-vous de Mika, ce qu'il va dire ? Non. Je pense, je suis pas sélectionneur, donc je sais pas trop, mais de rester focus sur eux-mêmes, surtout dans les matchs comme ça, c'est surtout le plan, l'aspect mental, je pense, qui prime plus que la technique, parce que la technique ils l'ont. Après, c'est juste de garder la tête froide, de jouer le match comme si c'était un match classique de championnat ranking en aléatoire, et de pas se laisser frustrer si la frustration monte, si les occasions ne rentrent pas ou s'il y a des ballons perdus au début de match. Je pense que ça va être ça le plus important. Allez, on va faire un tour dans le vestiaire. Hop, c'est parti, les joueurs se placent. Donc, comme on voit, pas de surprise, la compo. Bah, si elle est maîtrisée, hein, ça devrait passer. Après, si on n'a pas d'infos sur l'équipe d'en face, donc on ne sait pas dans quelle formation elle va. Elle va évoluer. Donc après, on sait qu'il y a certaines compos qui ont véritablement beaucoup de mal face à un 3-5-2, et il y en a d'autres qui effacent le 3-5-2. Donc après, tout dépend du style de jeu. Si on a du kick and rush des années 80, ce sera du gros L1 triangle par-dessus le milieu. S'ils se mettent à jouer, on verra la compo et puis on verra comment vont réagir les bleus. Bah après, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans cette compo pour la plupart. Ouais. Qui jouent dans leur club en 3-5-2. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à faire. Espérons. Disons aussi qu'on sait que les nations britanniques aiment bien user du jeu long, surtout quand ça fait une passe en retrait pour enchaîner de l'autre côté. Et avec notre 3-5-2, faudra vite cerner cet aspect pour pas subir des rushs constants. Donc j'espère que la défense française sera prête. On va voir ça. Non, sérieusement, ouais, je suis impatient de voir un petit peu comment ça va se passer, qu'on sort du cercle IFVPA qu'on commençait à connaître ou des compétitions qu'on organisait nous-mêmes. Donc, ça va être assez intéressant de voir, de jauger par rapport à un niveau qui est autre que celui qu'on a l'habitude de voir, en fait. Ouais. Allez, les gars, 27 personnes en live pour l'instant. Merci d'être avec nous. Invitez vos potes aussi, n'hésitez pas à balancer le lien. Il y aura toutes les critiques à fournir. Après, vous n'êtes pas obligé de nous écouter, vous pouvez mettre de la musique, hein, c'est la fête de la musique. Si vous êtes sur la terrasse tranquille, mettez ça en grand écran, pépère avec les copains. Après tout, c'est l'été aussi. Donc, n'hésitez pas à donner vos pronos aussi dans le chat. Moi, j'en mets un tout de suite. France-Écosse. Je dis demain pour la France. On va dire, vu que t'as l'air d'être pas trop mauvais en termes de pronostics là, par rapport à ce qu'on fait sur le site, je vais te suivre sur une victoire de la France. Après, je te dirais... Belle transition. Ouais, un but de différence.
Maintenant, combien? Allez, bah, un but de plus pour nous. Je vais mouiller. Victoire de la France. Allez, un petit 4-0, 5-0. Ah ouais, t'es confiant. On signe, hein, mais il va falloir cravacher alors. Bon, on va déjà commencer sur une victoire de la France. Allez, c'est parti. C'est parti. Les joueurs sont dans le couloir. Alors, on commence à entendre aussi la ferveur du public. N'hésitez pas à nous dire au niveau des micros, du son du match aussi pour que Sky corrige. Bon, déjà, on voit l'échauffement de Bunny. Les mecs sont déjà sur des gestes techniques et tout. Donc, c'est que voilà, les petites bases sont acquises, on va dire. Oh, petit extérieur, bon, on verra pas la fin. Hein, c'est... Allez, c'est parti, coup d'envoi. Donné par Lenny. Allez. Ça joue derrière Lélé. Sur nos pattes. Interception. Voilà. Donc, ça fait tourner pour l'instant. Défense à 4, hein, dans ce qu'on peut voir pour l'instant, si je me trompe pas. Allez, ballon récupéré par Yass. Yass qui remet sur Pesmalte pour Lenny. Lenny qui change. Récupéré par l'Écosse. Qui on va sur le côté. Son ailier. Allez, récupéré bon, son ailier. C'est Barcas. C'est pas grave, récupération française, ça construit. Allez, Pepe Vargas. Je pense que c'est Yohan que tu voulais dire, on a l'icône rouge là, en MG. Oui. Ouais, c'est Yohan en tous. Allez, bien récupéré par Yass. Yass qui met derrière sur No Shit pour Yass. Malte qui joue sur le côté. Bon, pour l'instant, on voit quand même l'équipe de France qui produit le jeu qu'on attend de leur part. Hein, donc, d'avoir quand même une récupération de balles. Et... France qui met un bon pressing sur les Écossais. Mmh. Ouais, surtout qu'il est très très haut sur le terrain, donc ça étouffe un peu les Écossais. C'est ce qu'il faut. Allez, Nino Pat sur la touche. Petite forme de touche pour Vargas. Qui oriente sur Malte pour Lenny. Ballon perdu par Lenny. Les Écossais à la contre-attaque. Récupéré par Vargas, Malte. Malte pour Lenny. Lenny qui remet derrière Ayas, qui relance pour Lenny. Lenny qui s'infiltre dans la défense. Eh bien non. Et il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Dommage. Ouais, une belle entente là entre Johan et Lenny dans ce début de match. Ouais. On sent qu'ils ont joué ensemble en club. Ballon récupéré par Johan qui remet derrière sur Lélé sur No Shit. Attention, Juan qui dégage. La récupération de Juanito qui remet sur Kills qui dégage. Allez, la remontée de balle sur Lenny qui conserve. Oulala, Lenny qui fait un festival. Yass pour Bunny. Nos pattes derrière sur Juanito qui oriente le jeu sur Yohan Lenny pour Vargas. Dommage, belle action. On était pas loin du penalty là. Hein. On n'était pas loin du penalty si le défenseur écossais fauchait notre attaquant. Lélé qui récupère derrière. Ça temporise un peu pour Juanito. Vargas va. Vargas qui passe à Malte qui perd le ballon. Il faut en profiter hein, parce que les Écossais n'ont pas encore réglé leur pressing, on va dire, leur travail défensif. On a beaucoup d'espace là dans les lignes de passe et il faut en profiter parce que je pense que les Écossais vont corriger ça au fur et à mesure. Malte qui s'appuie sur Lenny qui frappe et le but de Lenny. Le but. Bien joué, belle action. Voilà. Ils ont écouté. Voilà. On voit qu'ils ont à cœur de faire un travail. Allez, de récupération haute et de progression en passe et en jeu rapide. Hein. Franchement, pour l'instant, c'est agréable à voir. Attention, Malte qui se retrouve tout seul. Malte, le poteau. Voilà. Oh là là, dommage. Et il n'y avait pas en jeu sur cette action. Ouais, non, c'était une superbe ouverture là. Il y avait un boulevard et.
Bah, Malte, il a fait le taf, hein, c'est juste que ça tape le poteau. Vargas, qui remet. On peut réviser les pronos ou pas? Non, moi je reste. On va réviser les pronostics, non? Tu restes sur le 2-1? Ah ouais, ouais, je reste sur le 2-1. Attention, les Écossais à la contre-attaque. Sur le côté, bonne récupération de Johan, qui se débarrasse du ballon. Ouais, il a pas voulu prendre de risque, hein, je pense que c'est ça. Le ballon. Vargas qui met sur Lenny, qui met sur Johan. Johan qui fait une transversale sur Nino Pat Malte, Malte qui traverse vu, vis-à-vis. Super. Mmh. Qui est dans la surface. Ah, et, dommage. Nino Pat qui récupère le ballon, qui va travailler, qui fait un centre sur Lenny. Lenny a le but. 2-0 pour l'équipe de France. Doublé de Lenny. Bien joué. Bien joué, les gars. Enfin, je suis désolé, j'ai un peu de décalage sur le match, donc les commentaires, j'y suis pas, mais je répète, allez, c'est plaisant à voir pour l'instant. C'est un match sérieux là, surtout. Voilà. Qui attaque du côté gauche. Surtout ne pas tomber dans la facilité. Allez, c'est reparti. Vargas qui calme le jeu, qui remet sur Johan pour Lenny. Très belle entente entre Johan et Lenny. Ouais, là, clairement, le côté gauche français, là, c'est. Oui. C'est du 10 sur 10 pour l'instant. Là. Attention, Vargas qui revient sur Johan. Johan qui centre pour Malte. Interception du défenseur écossais. Johan qui travaille encore. Johan dans la surface qui élimine. Pour servir. Ah ouais, c'est dommage. C'est un poison, là, pour le moment, pour les Écossais. Un joueur de 3-5-2 MG qui se retrouve quasiment troisième attaquant, là, ils n'arrivent pas à suivre. Bonne récupération de Lélé, qui met sur Kills. Lélé, oulala, attention. Buni pour Nino. Nino qui s'appuie sur Malte. Malte pour Vargas. Vargas sur Yas. Yas, Lenny. Vargas qui rentre dans la surface. Oh, dommage, c'était bien joué. Allez, un petit corner pour nos Français. On va voir si ça marche, les coups de pied arrêtés. C'est l'occasion de s'entraîner. Je mise sur le 18. Allez, une belle touche. Le pressing est là. Allez, Johan qui centre pour Malte. Bon, on a des Écossais qui s'embarrassent pas pour l'instant à essayer de construire quand ils récupèrent la balle. Hein. C'est... Ça dégage. Un, il la perd très vite, ou deux, il dégage. De France, de Vargas et de Johan. C'est vrai, oui, c'est vrai aussi. Hein. Johan qui remet sur Malte pour Juan. Lélé pour Buni. Dégagement de Lélé. Attention à la profondeur. Les Écossais qui attaquent vers la gauche. Et c'est la mi-temps. Bien joué pour la première mi-temps. Ah oui, c'est clair, là, on assiste à un beau match plein des Français. Là, il y a eu très peu de. On va dire très peu de pertes de balles bêtes. Donc c'est essentiellement dû au petit pressing du milieu. Mais dès qu'ils arrivent à atteindre leur côté, bon, on va être très clair. Hein, les Français sont largement au-dessus pour l'instant. Hein. Ouais, et puis surtout là, maintenant, ce qu'il faut. Comme j'aime bien le dire à 2-0, quand je joue et que je gagne 2-0, c'est là le match il est quasiment fait. Hein. Faut juste pas remettre l'adversaire dans le match et normalement c'est gagné. Continuer sur le même même lancée. Faut pas changer de mentalité de jeu, faut pas changer de manière de jouer. Si 2-0 c'est que c'est la bonne. Par contre, peut-être attention à une certaine réaction des Écossais, hein, parce que je répète, hein, ça reste quand même un match international, donc en face. Ils sont pas non plus là juste pour le fun, quoi. Enfin, j'espère pour eux. Et on est reparti dans cette deuxième mi-temps. Allez, la deuxième mi-temps, elle est repartie. Bonne récupération de Denis. Les Français, là, qui font tourner, qui vont chercher peut-être un point d'appui devant, c'est fait avec Malte. Denis, qui va peut-être attendre le soutien de Johan. À gauche, non, qui a perdu le ballon. Allez, récupération de Yas. Yas qui repère le ballon derrière, qui le récupère pour Lenny pour là, Pépé, Malte pour Benny, Malte
qui décale sur Nopat, Nopat qui remet sur Bunny derrière, Pépé. Pépé qui lance Ninopat, Ninopat Malte, Malte qui a vu Pépé partir, qui frappe en première intention. Et l'arrêt du gardien, les Écossais dégagent. Voilà. Lenny sur son côté. Allez, corner obtenu par Lenny. On voit le même schéma de jeu que la première mi-temps. Hein. Donc maintenant, c'est vraiment se mettre à l'abri là. Bah, ce qu'il y a, c'est que les Écossais, là, en fait, ils n'arrivent pas à couper les premières roulants. Interception pour les Écossais qui attaquent. C'est perdu. Dommage que Lélé n'ait pas essayé de frapper, là. Allez, Béni, la construction. Il était en bonne position, quand même. Juanito qui fait une longue transversale sur Yuan. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'était ça. Le jeu était là, c'était bien pour changer un peu. Enfin, pour changer un peu. Pour changer l'orientation du jeu, c'était exactement ça. Qui remet sur Lenny qui s'appuie sur Vargas. Regardez tout l'espace que nos milieux ont là, pour ventiler, pour, distiller. Dommage leur jeu de peste maltais. Par contre, ça reste un jeu qui est. On va dire. C'est pas qu'il faudrait qu'il fasse école, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est du un contrôle, une passe et. Il y a tout de suite des solutions pour le porteur de la balle en France, hein, donc c'est vraiment agréable à voir. Quoi. Ça change des matchs qu'on peut voir de manière régulière. Si ton micro est à fond et qu'on est encore trop fort, tu devrais peut-être nous baisser d'après les retours qu'on a. C'est comment faire hein, sur Discord. Clique droit sur nos pseudos et tu baisses un peu la jauge. En attendant, ballon pour les Écossais à droite. Yass qui... Non, c'était pas Yass, c'était Lélé. Qui a récupéré le ballon. On refait tourner, on va chercher Malte en point d'appui, mais qui perd son duel. Le ballon revient chez nous. Allez, Benny qui arrive. Benny. Yass qui remet derrière sur Lélé. Lélé qui fait une transversale sur... Le rebond. Malte. Malte qui fait partir Pépé Vargas. Aïe, 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 dommage le coup de joystick. Ouais, c'est dommage, hein. Je pense qu'il peut-être il anticipait que l'Écossais allait couper la passe. Allez, petite faute pour les Écossais. Ouais, c'est un petit bousculage physique que tous les arbitres n'auraient pas sifflé. Et que d'autres auraient mis un carton jaune. Allez, Lenny, pour Malte, interception de l'Écosse. Ça peut être dangereux là, ça peut être dangereux. Attention, aïe, voilà le but des Écossais. Dommage. Ah, ils ont bien pris à revers. Hein. Tout le monde a attendu la frappe et il l'a mis au deuxième poteau. Hein. Allez, Pépé Vargas qui récupère. Pour Bunny, Vargas qui met sur Yass. Yass pour Malte qui remonte sur Yuan. Yuan qui essaye de trouver Lenny. Dommage. Elle est sortie de... No shit. Lélé. Juan. Benny. Malte. Pour Vargas. Allez, petite faute sur Vargas. C'est là où je disais qu'il faut pas se laisser gagner par la frustration. Que le troisième but n'arrive pas. Il faut rester tranquille. Et continuer. Continue le jeu qui est produit là. Allez, Benny qui met sur le côté pour Ninopat. Pareil. Dommage. Attention sur le côté. Le côté gauche des Écossais qui met en profondeur. Ah, super bien défendu là, il a contenu. Bien joué ça. Ah ouais, c'est propre. C'est propre, sans faute dans la surface. Malte, Ninopat, Bunny, Malte pour Vargas. Vargas qui avait vu Ninopat, interception. Les Écossais qui attaquent vers la droite. Attention. Les Écossais commencent à mettre le pied sur le ballon.
C'est ce que j'allais dire, les Écossais qui sont chez nous. Donc là, ouais. Il fait du bien. Pour Vargas, Vargas. Pour Lenny, qui oriente sur Johan. Johan. Qui va travailler un bien petit joué, peu. Ça. Qui travaille. Il l'a. Voilà. Bien joué. Il continue de travailler pour Vargas. C'est un petit corner obtenu pour l'équipe de France. Là, le temps joue avec nous. Hein. Le pronostic de Marco était pas trop mal. Hein. Ouais. C'est, je te dis, hein, il n'est pas premier dans les pronos pour rien. Allez, ça va être au premier poteau. C'est fait au premier poteau. Là, faut bien sûr, ça joue un peu le temps. Il faut la garder. Là. Ah, voilà, c'est... tac. Dommage. Ah. Eh oui. C'est une bonne remontée défensive directe des Écossais. Elle est importante, le duel sur le coup franc à venir. Allez, gagner le ballon à la tête. On va jouer Johan, qui en touche. Bloquer la ligne de touche, bloquer l'axe, couper la passe si on peut. Voilà, petite touche pour les Français. Méga touche. Voilà. Pour Lenny. Récupéré par ah, je crois qu'il est en jeu. Non, il n'y est pas. Ouais, Vargas qui oriente sur Bunny qui lance Ninopat qui va travailler encore son vis-à-vis. Et non, petit centre pour Lenny qui est petit face à son défenseur. Allez, deux contre un là, deux contre un, faut le serrer. Bien joué, ouais. Bien joué, bien repoussé. Voilà, il contient bien le Ninopat. Contient bien son attaquant, récupère la balle. Ouais, les gars, pas de Ginola, hein. Pas de Ginola, 93e. Ça va, c'est pas la Bulgarie en face. Qui a réussi à récupérer le ballon. Qui va travailler. Qui travaille sans vis-à-vis et qui obtient le corner. Dommage. Ah oui, il s'est quand même défait de 3 mecs. Hein. Pas négligeable. Jouer court, là, les messieurs. Là. On est en Coupe du Monde, messieurs. Là. On voit déjà le. On voit déjà que de toute façon, on s'est verrouillé derrière. Hein. On a eu 4 joueurs, 5 joueurs qui sont descendus d'un coup. Donc, allez, on ne prend pas de risque. Il travaille encore sur le côté. Oh, David Ginola. Bunny qui récupère. Et c'est la fin du match. Bien joué, bien joué. S'il te plaît. 2-1, bah bon, bah, merci. Ok, d'accord. Bon, voilà. Tu nous dis où est-ce qu'on doit te faire le virement. Hein, parce que... Marco qui gagne. Faut qu'il y ait des devises qui circulent. Un joueur nos Français. Ancien tipster, hein, ça aide. Les Écossais, une frappe, un but. Que dire de plus? Bref, c'est. Je sais pas si c'est eux qui ont augmenté leur niveau ou s'il y a eu un petit passage de relâchement inconscient des Français. Après, ils ont pas eu l'occasion sur une grosse domination. Hein. C'était sur la suite d'un coup franc, si je me rappelle bien. Donc, de quoi le but écossais là, donc globalement oui. C'était maîtrisé, quoi. C'est dommage le but. Ah bah après c'est comme on dit, hein, c'est ils jouent pas contre des bots, c'est pas du 1 contre 1, donc à partir de ce moment-là des réactions. Si j'ai pas mis 2-0, c'est pas pour ça. Hein. Des réactions de joueurs, elles sont tout à fait normales, hein, donc pour l'instant ce qu'on a vu. Bah pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que c'était du bon. Il y avait quand même du jeu qui était produit. Et... On va dire, c'est pas négligeable. On voit quand même il y a un style de jeu qui est présent. Et donc, bah, on va voir ce que ça va donner contre la Russie, puisque je suppose que ça va être le même. Donc le deuxième match. Ça va être le même la même compo, hein, le même positionnement. 2h30, ouais. Le deuxième match. Alors, juste un mot aussi, c'est la même Russie que LVP eSport, par exemple, de base, enfin de mémoire. C'est un bloc très très bas et très très compact, défensivement, ouais. Contre lesquels j'ai vu la France s'écraser maintes et maintes fois, et on va devant avec Danaev, avec l'autre Adlan Chechen, je sais pas s'il va jouer, mais en gros c'était ça, hein. Des grosses bases défensives, et ouais. De l'opportunisme offensif. C'est ça. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait. Hein. Une fois qu'ils récupéraient la balle, ils allaient très vite sur le côté. Ils longeaient la ligne. Et c'était quoi? C'était centre-tête.
centre ou même tu sais ou incursion ouais voilà ouais, c'est ça entrée de surface et incursion entrée de surface ouais ils cherchaient leur BU en pivot. Bah Danef a fait une apparition éclair dans le championnat FVPA si je dis pas de bêtises. Ouais. Avec la Neox, Sino qui était totalement fan, qui avait réussi à en faire un pigiste de luxe pendant quelques semaines. Enfin bon, voilà, donc c'était le baptême du feu pour notre régisseur en chef. Franchement, il a bossé. Il n'y a pas à dire. Il connaissait le nom par cœur des joueurs français, on avait du mal à suivre. Un petit peu au début, j'ai confondu Yass et Vargas, en fait. Ouais, ça finit par S, hein, c'est pareil. On va regarder où ils en sont. Bon, ce que je vous propose dans le chat, c'est... Dans le chat, parce que le micro, il est assez fort, parce qu'on me dit que mon micro est bas, mais... Sauf qu'il est fort de partout, en fait. Là, tu viens de m'exploser les oreilles, par exemple. Ah ouais? Non, mais c'est bon, je pense. Oui. On a Sino, le conseiller technique dans l'ombre, qui scrute tout ça. Donc, il y a Mika qui nous dit que la Russie joue en 4-3-3. Ah non. C'est 4-3-3 pour la France ou Non, la Russie, la France reste en 3-5-2 pour ce soir. Alors, on n'entend pas assez Force Skyman et on entend... plus Kedo et je pense que c'est Marco plutôt que Mika. Ouais, bah après c'est, j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça pour celui qui host le live. Ouais. D'accord. Parce que, si vous regardez bien, quand c'est moi qui le faisais, j'étais bas. Quand c'est sur le CDC, bah ce n'est qu'on l'entend pas trop et même Zipoet quand même avec lui. Sky doit parler plus fort, ouais. Ça se voit que vous êtes pas en direct avec lui. Hein. Ouf. Mais c'est pas grave, on le laisse parler et franchement, il gère bien. Donc on va le laisser continuer quand il y a des actions assez rapides. Pour l'instant, il bafouille pas trop. Donc je vous propose de me redéfier au prono dans le chat. Vous avez le 30 secondes pour tenter de me battre. Allez, Russie un partout. Victoire de la France, 1-0. Franchement, je sais pas trop sur ce match-là. C'est l'inconnu en fait. Je vais dire France ou Russie. 2-2. Je vais l'écrire d'ailleurs. Ça, on pourra pas dire que j'ai triché. Parce que ouais. Je pense que les Russes, c'est quand même un cran au-dessus quand même des Écossais. Je les vois pas subir autant. Ah. Allez, on est reparti. Ça peut être un match décousu par contre. Face à la Russie. C'est-à-dire ils vont attendre derrière et puis si c'est ce que tu as prévu, ils vont attendre derrière et partir en contre-attaque. En attendant, je me prends une petite gorgée de d'eau de pulco citron. Ah, j'en ai plus. Une petite gorgée de coca. On est reparti. Petite bouteille d'eau. De peste maltée. Nous sommes sponsorisés par Powerade. Allez, c'est parti, Gargas pour Billy. Ouais, cristalline chez moi. Lélé pour Juanito. Allez, c'est parti. Maltée pour Gargas. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Margoton? Le match a commencé, on l'a pas entendu là. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais il est parti faire une rasade. Non, je parlais d'un depuis tout à l'heure. Ah. Margas. C'est pas grave. A voulu mettre sur Johan, mais c'est récupéré. Lenny qui récupère le ballon. Récupération de Johan. Johan qui met sur Noshit. Noshit qui fait une transversale sur Nopat. Yass qui a déjà reçu des bons baisers de Russie dès le début, on l'a vu blessé. Nopat pour Malte. Malte qui remet sur Benny. Vargas pour Malte. Ouais, bon, on voit. On voit déjà que le pressing russe est un petit peu plus compact et plus rapide sur les déplacements. Hein.
On voit que dès qu'un bleu se retrouve un peu esselé, il a tout de suite 2-3 joueurs qui sont sur lui. Ah, c'est ça. Donc là, on voit. Bien joué. On les voit reprendre tout de suite. Moshi qui récupère le ballon de la tête pour Lenny. Lenny récupère le ballon. Allez, on récupère le ballon. Johan qui se bat. Bon pressing de l'équipe de France qui essaye de récupérer ce ballon. Récupéré par Lélé. C'est une touche pour les Russes. Il me semble déjà plus d'échanges. Hein. Ouais. Avec sa petite calvitie, là, je crois, si je me trompe pas. Allez, Moshi qui dégage sur Lenny. Lenny qui est trop petit pour récupérer ce ballon. Yes. Et tu vas arrêter d'embêter les gens de petite taille, là. Ça fait 2 fois que tu le dis, là. Allez, ça oriente du côté russe. Il y a un peu plus de jeu, déjà. Les Russes qui essayent de garder le ballon. Tout de suite, c'est... Banaev. C'est un autre style de jeu. Qui récupère le milieu de terrain, qui veut lancer Vargas, récupéré par le milieu. Qui envoie directement Banaev sur le côté. C'était qui le passeur, là? C'était Eba, oui, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, alors lui, c'était le capitaine de Level Pro. C'est un club russe aussi qui joue en Euroleague. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe... C'est l'équipe FVPA. Ouais, je pense. Ils sont comme nous. C'est ça. Ouais, récupéré par Minopat. Ils sont en guest. Yuan. Oh là là, c'est bon, ça. Allez. Qui envoie Vargas. Malte, oh là là, le gardien qui fait la parade. Ah, désolé si je vous ai spoilé. Ah, oui, effectivement, là je suis spoilé à 30 secondes. J'ai le live qui merdouille. Ouais, le live de Benny. Bah, moi, c'est fini. Ben, c'est bien, vas-y, continue, parce que là je vois la souris qui se déplace, il essaye d'avoir le. Il essaye d'avoir le. Je vais faire de la radio alors. Hein. Le rond. Donc, vas-y. Les Russes là qui attaquent dans l'axe. On lance français, c'était le contraire. Attention, une attaque. On va peut-être pouvoir lancer Tchétchène. Non. Talonnade moisi. Ballon récupère l'avance. Attention, ça se cafouille. Aïe, aïe, aïe. Ça cafouille. On se dégage tant bien que mal. Et on aura un coup franc défensive. C'était assez chaud là quand même. Il y avait la patate chaude dans les 23 mètres là, français. Le 6 mètres, non, c'est pas un 6 mètres d'ailleurs, c'est un coup franc. Que les Russes vont récupérer du jeu avec leur gardien, qui sont prêts de dégager, bien évidemment. Allez, Nino, ouais. Sur la droite. Ah, il a essayé une passe en tournevis, là, ça marche pas, ça. Les Russes, un direct qui font la passe vers l'avant et qui tempo pour monter le bloc. C'est un jeu d'échecs, là, pour l'instant. On tente en essayant des deux côtés là de forcer l'erreur défensive adverse. Allez, nos milieux là qui combinent, c'est bien. Il y a peut-être Johan là à chercher à gauche s'il le voit. Longue transversale si vous le voyez les gars. Ils l'ont pas vu. Dommage. C'est bon, ça a repris là ton. Non. Nino qui a le ballon qui peut être centré, il y a 2 joueurs français dans la surface, c'est le tempo, il va être pris par 2 joueurs russes, il a pu centrer, mais non, il n'y a personne à redonner. Allez, un nouveau centre peut-être, c'est bien coupé par les Russes, ça retombe à leurs 20 mètres. Et là, attention, ils ont de l'espace rencontre. Quand je disais que c'est décousu, ah, ça tente à toute balle. Sauf que c'est encore récupéré par les Français. Donc là, du coup, dans le stream, ils ont pas d'image, là, c'est ça? Si. Et là, je viens de... Ah, bah là, il a coupé. Fallait l'essayer, il y avait l'image. C'est reparti, Yuan, sur le côté. Il a été repassé sur... Yuan qui s'en voilà. Ah, c'est les aléas du direct live de la première fois. Sur la droite. Donc ça continue. On voit quand même que les Français ont à cœur de... Ouais, attention au cas de faire tourner. Et l'ouverture du score, ouverture du score de la Russie sur un ballon contré, un centre qui venait de la droite. Ah, c'est pas beau, dommage. Tchétchène, il lui en faut pas une de trop pour marquer. Regardez le petit cafouillage là, le petit bug FIFA, je sais pas comment appeler ça. Allez, on va
Ouais, c'est la, leur première incursion dans les 6 mètres et ça finit au fond. Allez, Yass pour Benny, Benny pour Malte. Malte qui perd le ballon, récupéré par Benny. Benny pour Nino, Nino pour Benny. Allez, ballon perdu. Ça va travailler du côté gauche maintenant. Lélé qui récupère le ballon. Mais sur nos shit, nos shit pour Yass, Yass pour Pilar, Yass. Ballon perdu. Récupéré par les Russes. Très bonne équipe russe. Hein. Mmh, oui, c'est... Là, je sais pas si vous avez vu le schéma. Attention, schéma qu'ils ont attention, fait. Kills. Oh, l'arrêt de Kills. Qui sauve voilà. Le deuxième but. La bonne anticipation sur la petite passe en profondeur. Ça, c'est. Le schéma. Faut, faut l'avoir. Faut l'avoir. Faut être capable d'aller la chercher, celle-là. Allez, un petit contrat joué pour Vargas. Vargas pour Malte. Dommage. Ballon perdu. Et c'est la mi-temps. Désolé pour ce petit bug. De... Ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça. Donc là, on voit. Stats, un tir pour chacun. Ouais. La France voilà. Qui domine la possession. Mais je sais on pas si clairement. Vous avez vu le, la dernière action là qu'ils ont fait les Russes. C'est, ouais. C'est typiquement ce qu'ils ont fait à partir de la, du quart d'heure, c'est que ils allaient de l'avant, ils revenaient en arrière pour que aspirent les Français une fois que eux étaient montés un peu. Voilà. Et bim, ça réabsait là sur le côté de Zanev qui remettait dans l'axe, qui lui remettait double 1-2. Et là, faut vraiment qu'on, qu'on fasse gaffe parce qu'en plus on est en 3-5-2 comme je disais tout à l'heure. Sur les ailes, on va un peu morfler et c'est vrai que là ils nous contiennent bien, ils nous mettent la pression sur les, leurs actions. Ouais, ah ouais, c'est une équipe solide. Une seconde reprise du match. La Russie qui donne le coup d'envoi. C'est parti. Disons que là, ils sont dans un rythme qui est. Qui met les Français dans une position inconfortable par rapport à l'Écosse. Allez, il va falloir les faire travailler. Voilà, voilà c'est à nous là, de enchaîner. Voilà, et continuer. Continuer le jeu qui a été produit depuis le début. Pas être pressé. Pour Johan, Johan, qui sont pour Malte, Malte la tête. Et là, dommage. Dommage, c'était bien vu. Dommage. Dommage, il a pris le ballon au sommet, sans puissance. Mm-hmm. Allez, les Russes qui mettent le pied sur le ballon. Yass. Yass sur le côté. Pour Lenny, qui perd le ballon. Qui récupère le ballon. Ballon perdu, ballon récupéré, ballon. Ça se passe bien, il y a, un, il y a quand même un bon pressing global des Français dès qu'ils perdent la balle. Le pressing il est bon des deux côtés. Hein. C'est, ouais. C'est vraiment une très belle équipe. Ouais. Allez, hein, faut qu'on joue, franchement, il faut qu'on joue là sur notre, notre atout, le 3-5-2. Ouais. Quand on est bloqué d'un côté, vite aller de l'autre, avec une passe au sol. Et qui récupère derrière. Une patte qui va tenter le centre qui est contré. Ça va être une touche. Ah non, la touche est sauvée. Pépé qui centre. Ça, c'est bien joué, ça. Quel dommage. Dommage. Dommage, dommage. Hein. Tu bugs encore perdu. C'est parti. Non, ça va. C'est pas grave. Qui récupère le ballon pour Benny. Benny. Benny qui perd le ballon au milieu de terrain. Attention, contre-attaque pour les Russes. Ah, c'est 3 contre 3 là. Allez, récupéré ouais, par bon. Pépé Vargas pour Lenny. Lenny qui joue en une sur Malte. Malte qui a essayé de chercher Pépé Vargas. Ça attaque du côté gauche de la Russie. Récupéré par Ninopat. Une petite faute. Allez, je prends pour la Russie. Bien tiré. Et c'est au-dessus. Bon. Je serais pas surpris cette fois-ci de voir le changement de domination sur les stats à la fin là. On voit quand même que les Russes ont, ont pris un peu le dessus. Dans l'axe pour il essaye de rejouer sur Denis. Les rentaux derrière. Denis pour Lélé. Lélé qui met. Allez, Johan. Johan pour Vargas. Vargas, Lenny. Lenny
qui passe, et la faute des Russes sur Lenny. Allez, Pepe Vargas qui tente le tir. Allez, Neupath qui essaie le centre sur Lélé. Lélé qui est resté devant. Pepe Vargas qui tente pour Lenny et le but. Le but de l'équipe de France. Oui, je dis oui. Bien joué. Je dis oui. Lenny qui nous sauve. On valide. Deux fois. Belle passe de Pepe Vargas. J'ai pas eu l'occasion de le voir souvent jouer, Lenny, et franchement, j'apprécie son jeu et son engagement au niveau de la récupération quand la balle est perdue devant. Hein. Allez, récupération de Juan. Juan qui manque le ballon. Qui le repère. Van Aefferen. Juan. Bon petit coup d'épaule des familles. Pour lui dire, tu passes pas, mon pote. Allez, Meshit. Qui remet sur Juan. Pour Benny. Pour Malte et Pepe Vargas. Qui se joue. Pour Juan. Pour Juan. Juan qui va lancer Lenny en profondeur. C'est une touche trouvée. Pepe Vargas. Pour Johan qui va travailler son vis-à-vis. Non. Et c'est un 6 mètres pour le réussir. Allez, un dernier quart d'heure. Un petit quart d'heure de jeu encore. Allons chercher cette victoire. On a fait le plus dur là, franchement, en revenant. Allez. Ouais. Pour une fois, c'est moi qui ai pour l'instant le bon prono. Malte qui envoie sur. Ah, c'est dommage. Allez, récupération Yas. Vargas. Oh, pourquoi allez. Oh là là. Le ballon qui effleure le poteau. Oh là 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 là, quel dommage. Quel dommage. Mmh. Encore une très belle passe de Pepe Vargas. Allez, dégagement des Russes. Monchit qui récupère. Allez, c'est maintenant. Il faut mettre un bon coup de pression. Restez haut. Voilà, récupération de Bunny. Dommage. Il s'est pas fait avoir, il a fermé la ligne. Allez, on va être sur le deuxième ballon. Non. Là, ça sera un 6 mètres. 10 minutes. 10 minutes pour marquer sur les 10 minutes. Allez, Malte qui est tout seul, qui va envoyer Lenny. Lenny, qui va se faire monter. Oh là là, qui se fait découper. Ah, ils ont sorti la Kalachnikov, là, les Russes. Ils arrivaient à 3, là. Allez, Malte, pour Nino, qui envoie Vargas. Dommage. Allez, on va récupérer ça. Le Naïf qui se joue de Benny. Tornado. Attaque du côté droit pour l'équipe russe. Moshit qui dégage comme il peut. Faut pas le laisser rentrer. Oui, bien défendu de la part de Yuan qui s'est pas jeté. Bien joué. Et attention les corners, hein. Les Russes on sait qu'ils marquent beaucoup sur corner. Allez, Kills. C'est bien joué, bien défendu. Allez, c'est parti, une petite contre-attaque. Le pressing est là. Allez, Gas qui va repartir. Dommage. Allez, l'équipe russe en construction. Sur le côté gauche. Allez, petit coup d'épaule, c'est gagné. Défensivement, on voit que la France a quand même un bon quadrillage global de zone. Malte pour Neupath. Neupath qui essaye de passer. Mais il est rattrapé. Allez, Lélé pour Lenny, Vargas, Yas qui récupère Lenny qui essaye d'en enrouler. Et c'est la fin du match. Un partout pour cette équipe de France face à la Russie. Bon, c'est de mon côté pour les billets. La deuxième mi-temps était clairement pour l'équipe de France. Ah, je m'attendais à plus de domination russe quand même par rapport au début de la deuxième mi-temps. Hein.
la deuxième mi-temps était pour l'équipe de France. On voit que la Russie n'a fait qu'un tir de plus. Bon, notre ressenti sur cette première soirée de l'équipe de France, Coupe du Monde DPG, Marco. Alors attends, parce que je suis en train de faire tes affiches de résultats. on prend pas de retard. Au niveau points, on prend pas de retard. Je pense que dans le groupe, l'équipe russe, à mon avis, va être devant, puisqu'on a Écosse, Russie, France, et le quatrième, c'est... Ah, je veux pas dire de conneries, parce que j'ai la VPL en tête, avec notamment l'Algérie. Aidez-moi. Alors, je me démute pour venir à ta rescousse. Il me semble que c'est l'Inde. C'est l'Inde. Alors là, en VPG, Inde. Ah bah là, c'est grand inconnu. Hein. Par contre, Sky, il m'a muté ou quoi ? Non. Pourquoi je t'ai muté ? Ah. Je sais pas, je suis en train de poser une question, je t'entends pas. Et tout à l'heure, quand je parlais, tu coupais. Bon, c'est bien. On va dire, tu as validé ton billet pour montrer que. J'ai pas fait attention. T'étais à fond. Comme disait Skyman Margoton. Alors, on va peut-être avoir Mika. Après ces deux matchs, les réactions à chaud de Mika. Alors, nous avons coupé une petite affiche de presse. Alors, rapidement avant ça, au niveau du son, puisque on en est aussi sur le premier essai technique, il faudrait que tu augmentes globalement le son, hein, Sky, et que tu diminues le nôtre. Parce qu'effectivement, moi, sur le retour, t'entends très loin, comme si t'étais, je te dirais, dans les chiottes. C'est mon micro qui est à fond. Alors, augmente le son de sortie global, je pense, sur le... Parce que moi, je m'entends à fond dans mes écouteurs, et toi, on t'entend très bas. Les gars, on bascule dans Radio Live pour Mika. Oui. Allô, mais là on ne nous entend plus. C'est ça le problème. C'est que là on n'entend pas. Ah, c'est pourquoi bon. C'est bon. Pourquoi on n'entendrait pas là, Mika a les accès à la Radio Live. Non, il faut lui donner. Attends, je vais lui donner. Allez, c'est parti, on va mettre. Voilà. Donc on rappelle victoire contre l'Écosse et match nul contre la Russie. Voilà. Oui, je m'entends. Salut Lucas. Bonsoir. Bon, 75% de réussite pour le coach. Je trouve que c'est bien pour un début hein, sur cette compète. Ouais, c'est pas mal. Surtout dans ce qu'on a produit, je trouve que c'était vachement propre. Sur le premier match, surtout quand on a imposé surtout le long du match ce qu'on voulait. Que ce soit dans le jeu, le pressing. Et ils ont pas su. Enfin, ils ont mis un but. Parce qu'il semblait, de ce que j'ai entendu en vocal, qu'il y avait un lag surface, du coup ils n'ont pas pu défendre comme ils ont voulu. Et c'est vrai, par contre, c'était un peu plus dur la Russie, parce qu'on connaissait, on sait que c'est plus costaud quand même. Ils ont un bloc plus compact, ils ont des joueurs un peu de meilleure qualité. Mais on a quand même bien joué, on prend un but contre le cours du jeu, je pense aussi. Je crois que c'est leur seule occasion.
Peut-être qu'on a une autre avant de la tête. Ouais, peut-être avant de la tête. C'est leur seule occasion de la première mi-temps. Pour pas dire la seule occasion réelle du match pour eux, quoi. Ouais. Après, bon, c'était un peu plus équilibré que face à l'Écosse. Parce qu'ils avaient quand même le ballon de temps en temps. Ils nous ont fait douter quand même, mais on a su bien réagir. On a marqué ce but, on aurait pu même mener avant à la fin. C'est ça. Il y a eu. Ça, ce qui était bien à voir, c'est que l'application dans le jeu était la même, que ce soit l'Écosse ou que ce soit la Russie. Donc, ils n'ont pas été trop pressés d'essayer de revenir au score ou de balbutier leur jeu. Ils ont continué de produire ce que je pense que c'est ce que tu avais dû donner comme consigne, puisqu'on a retrouvé le même style sur les deux matchs. Hein, qu'est-ce que tu leur avais dit, toi, au début, exactement, début de la session? Au début de la session, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus. On aimerait faire jouer les ballons, essayer de les faire passer de droite à gauche assez rapidement, parce que le 3-5-2, c'est un peu le point fort. Après, suivant les équipes qu'on joue, là, on savait que, par exemple, l'Écosse, ils étaient en 4-3-3. Et 4-3-3, ça veut dire que nous, sur un 3-5-2, on est sur le milieu de terrain, on est en supériorité, donc on a plus joué sur le milieu de terrain, et contre la Russie, on a essayé de plus se passer par les côtés, là, puisqu'ils étaient plus compacts dans l'axe, donc voilà, puis rester propre, ne pas se passer après, j'ai quand même des joueurs d'expérience, qui eux-mêmes ont pris la parole et bien dire de pas aller trop vite vers l'avant, qu'on avait le temps de jouer au ballon, de revenir au score, qu'on était capable de le faire, et donc on s'est pas pressé. Non, c'est une bonne chose. Ouais. J'ai une question plus technique de FIFA plus que de jeu. Vous êtes, comment dire, je n'irai pas dans une partie parce que c'est limité à 8, même si le PSN veut passer à 16, mais les joueurs, ils sont entre eux uniquement pendant le match, ou tu as un moyen, toi, de communiquer avec eux? Moi, je suis en Discord avec eux, en fait, en vocal Discord. D'accord. Vous êtes sur un vocal Discord tous ensemble? Voilà, c'est ça, parce que je peux pas être en... Oui, autrement vocal avec eux, et moi je regarde le stream, donc parfois moi je suis en décalé, donc je les laisse parler, et à la mi-temps je dis ce que j'ai à dire, ou avant le match, ou entre les deux matchs. Après, de temps en temps, quand il y a un truc qui me paraît flagrant, si ça n'a pas été dit auparavant, j'interviens, mais généralement j'ai pas besoin, donc j'attends la mi-temps, je suis plutôt concentré. C'est bien, c'est ce qu'on retrouverait sur un vrai match avec le coach qui de temps en temps dispense un ou deux conseils par rapport à ce qu'il voit depuis le banc, et puis après il laisse les joueurs on va dire appliquer les consignes, quoi. Donc non, c'est bien, franchement, ça, je changerai mon discours par rapport au début de ce FIFA. J'espère bien quand même. il reste encore un mois. Ouais. Ça peut tourner dans un mois. Non, c'est jamais. Dans le football, non, tu vas très ça... vite. Ah bah ouais, déjà, dès dimanche, déjà. Dès dimanche, ouais. Ouais, donc t'as pas de joueurs qui sont plus pour l'instant préoccupés par leur futur dans le club pro et les éventuelles signatures de contrat, changement de club, non, ils en parlent pas trop. Non, non, justement, je pense que là, c'est la période où ils se focus complètement sur l'équipe de France. Même si on fait pas plus de sessions, parce qu'il y en a qui sont en test la semaine. Mmh. Et on a quand même notre session le vendredi. Si je dois être amené à en jouer dans la semaine, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais non, pour l'instant, on l'a vu ce soir, pas de problème. J'ai fait quelques changements par rapport à ce que j'ai fait jouer ces derniers temps. Ça n'a pas eu d'incident particulier. Après, Bon, bah, de toute façon, dans tous les cas, tu sais que peu importe s'il y a des matchs la semaine, ou week-end ou quoi que ce soit, nous. On fera en sorte de ne pas organiser de compétition ou de quoi que ce soit si jamais il y a un match d'équipe de France à ce moment-là. Donc, faut pas hésiter, les joueurs sont censés être dispo. Oui, oui, il n'y a pas de problème, de toute façon, on a déjà discuté avec eux, même on en fait part. Donc... Et ça les embête pas de se retrouver à jouer autant de matchs de compétition à la fin? Ils ont eu du mal à s'y retrouver parce que à chaque fois, je rajoutais un site. Mm-hmm. Donc, il fallait aller s'inscrire, enfin, pour VFL, pas le cas, pas besoin. Oui. Mais entre VPG et VPL, vu qu'il n'y a qu'une lettre qui change, il y en a qui s'embrouillaient, tu vois. Oui. Ils pensaient qu'ils étaient inscrits ou pas. Donc cette semaine, j'ai fait un récap de tout.
Ils sont inscrits, savoir si tout le monde était inscrit et tout, c'était nickel et tout. C'est bien, la tendance est bonne, hein, donc c'est vrai que nous, on n'a pas à gérer quoi que ce soit. Tu nous enlèves comme une grosse épine du pied par rapport à ce qu'on a déjà pu voir auparavant. Enfin, ce qu'on a comme expérience de gestion, etc. Donc non, c'est bien, faut continuer. Et puis après, de toute façon, il n'y a pas de mal à enchaîner des matchs au niveau international. Je pense que tous les joueurs sont là ont déjà un bon niveau et ça guérisse davantage à jouer des matchs de haut niveau que de jouer des petites aux ONC à droite à gauche. Quoi. C'est ça, puis j'ai un groupe de 24 joueurs, si je me compte, dedans. Et admettons, par exemple, dimanche, les 24 sont dispo. Donc si je dois mettre deux équipes, j'ai pas de problème à le faire. Donc... Ouais. Ils étaient prévenus que surtout la lettre de première semaine ça allait être chargé entre la VFL qui se rajoute la semaine prochaine. Donc voilà, la VFL c'est particulier parce que sera vraiment du 3 jours plein. Donc il faut que les emplois du temps coïncident pour que tu aies quand même un groupe assez étoffé ce week-end là. Et sinon, c'est dimanche là avec nos collègues de CDC là, normalement qui vont diffuser la finale de Nations League. Je pense que là c'est une grosse échéance de compétition qui arrive. Ouais, oui, ouais, on a tous envie d'y être, on va dire, parce que on s'arrêtait en demi la saison d'avant. Et... Mmh. Avec. Et là, L'Allemagne qui a remporté la victoire en plus. Ils sont. Bah là, ils jouent pour un quatrième titre d'affilée. C'est ça, ouais. C'est eux les plus titrés de notre compétition phare, quand même. Et petite question, demain, il y a une session prévue pour préparer le match de dimanche ou pas du tout ? Non, c'est dur le samedi de faire une session. C'est vraiment le jour un peu compliqué. Si j'ai un match de compétition, tout ça, généralement ça passe, mais là, c'est dur. On va pas trop se mettre non plus de pression supplémentaire. Ouais, ce qu'on sait faire. J'ai ma petite idée pour l'équipe de dimanche déjà. Donc, ouais. Des questions de consultants, notamment, voilà, il y a Chiriou qui pose la question. Est-ce que tu vas reconduire la même équipe que ce soir, je pense, pour dimanche, vu que tu as tout ton effectif? Ou est-ce que tu... Même équipe que ce soir, je suis pas sûr. Non. Ouais. T'en as qui ont marqué des points ou un peu déçu ou pas, non ? Non, mais ce soir j'étais satisfait de tout le monde, de ceux qui ont moins joué habituellement, qui ont joué ce soir. Non, mais après il y a quand même ceux qui ont joué la compétition quasi. Bout en bout, donc et qui ont été performants à chaque fois, je peux pas. Oui. Ça serait immérité de les enlever pour la finale. Voilà, c'est une récompense choses quand comme même. Ça, quoi. Voilà, faut prendre en compte, les joueurs sont au courant. C'est le discours d'Aimé Jacquet. Maintenant, vous êtes en finale, vous avez fait le plus dur, maintenant, c'est que du bonheur. Voilà, exact. Et puis, autant, si on gagne, c'est tout le monde hein, qui gagne. Voilà, c'est tout le monde qui gagnera. C'est ça. C'est bien. Bon, si personne d'autre n'a de questions, je sais pas. J'allais lancer un monologue, mais je pense qu'il a déjà été fait, donc. Ouais. On a tout dit. On va libérer tout le monde pour fêter l'été et aller regarder son petit concert à droite à gauche. Ouais. Bon, on est dans les temps. C'est ça. Non, c'est bien. Ouais. La finale de Koh-Lanta. Le vote final de Koh-Lanta. L'épreuve des piquets. Allez. Non, normalement cette année ils ont commencé par ça. Je pense pas qu'ils finissent par ça. C'est plus ou moins. Je sais pas. Donc on tenait quand même à remercier l'ensemble de nos familles, de nos amis, cousins, parents qui sont venus gonfler un petit peu les chiffres de cette première. Hein. On vous remercie. On est monté et puis, combien à peu près? Ah, tu veux déjà savoir? Sincèrement, on en a fait 16 de plus que la dernière fois qu'on n'a rien fait, quoi. Donc, non, c'est bien. On fait 30 à vendredi, c'est de la musique. Ouais, non, c'est pas mal. 30 pour un vendredi, c'est pas mal. C'est normal. On se montre la compète en plus. 24 de l'équipe de France, plus 6 du staff. Nickel, c'est 30.
C'est non, je pense pas qu'il y ait toute l'équipe. Merci beaucoup. Comment ça, ils sont pas venus, les cochons? Bah, ceux qui jouent, je pense qu'ils étaient occupés. En plus, la plupart, vu qu'on est sur Discord, ils ont leur téléphone sur Discord. Bien sûr. Entre deux touches, tu sais pas. Ouais, c'est ça. On a cravaché pour faire ce live. En tout cas, voilà ce que j'allais dire. En tout cas, c'était pas prévu. Vous avez fait ça au dernier moment, donc c'est cool. Vous avez prévu ça rapidement, c'était pas mal. Puis je pense que. On va pouvoir aller dormir. Vous allez pouvoir. Parce que ça fait 48 heures qu'on dort pas. Et puis vous préparez pour la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, coucher 4 heures, debout 8 heures. La semaine prochaine, bien, cette nuit. C'est pas le Téléthon, c'est la Coupe du Monde Thon, avec l'EFL. Parce qu'il faut. Là, ça va être marathon. Faut savoir que dans tous les cas, on joue, peut-être pas le dimanche, en VFL, si on va pas au bout. Mais vendredi, samedi, c'est quasi sûr, puisque même si on passe pas, on a les matchs de classement comme une consolante pour le 3ème, 4ème, en fait. Donc, même si on est éliminé le vendredi soir. Enfin, admettons, on joue le samedi, quoi, les matchs de classement. Ils font pas double élimination, mais ils font le tournoi de consolante. Ouais. C'est un truc. Non, j'étais en Benjamin à l'époque. Ouais, mais c'est un peu ce style-là, mais c'est pas mal parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve de partout. Donc. Bon, pour les vieux, hein, minime, c'est U13. Hein. Après, bon, c'est sur 3 jours quand même, c'est. C'est short, mais comme format, c'est plutôt sympa de faire quelque chose de différent. Quoi. Ouais, toi, bah c'est. Il semblerait que les VFL, de toute façon, jouent beaucoup le week-end, non? Ouais, que le week-end. C'est ça, eux, ils jouent surtout le week-end. Et le mercredi, je crois, il y a des matchs de coupe de coupe nationale, je crois. Donc, de toute façon, juste pour dire, ce rapprochement avec VFL fait que normalement, là, sur FIFA 20, si tout se passe bien, on aurait quand même une Nations League avec beaucoup plus de clubs anglo-saxons, ou du moins d'équipes nationales anglo-saxonnes. Donc, c'est pas négligeable de faire une bonne impression. Tant qu'ils sont présents, pas comme la Bosnie, tous ces choses-là. Ah, non, c'est fini. Ça avait commencé d'ailleurs. On va laisser tomber parce qu'on s'est retrouvé avec un faux rythme dans les poules à cause des forfaits. Là, c'est heureusement que. Parce que moi, c'était le piège que j'avais annoncé à mes joueurs. On n'a pas joué beaucoup de matchs en phase de poule, donc quand on est passé en phase éliminatoire, en phase finale, je me suis dit. Ouais, faut pas faire un petit tour. On n'a pas faire de piège, voilà. On n'a pas eu un gros rythme pendant presque un mois après la fin de l'Euro. Donc... T'as eu deux forfaits plus un tour Ebzan, donc t'as joué 3 matchs, voilà, c'est fini, on passe à la phase finale. C'est ça, c'est exactement ça. Sinon c'était pas rien, je pense. Ils ont bien répondu, donc. Bon. Eh ben, merci à toi, Mika, et merci à l'équipe de France de vous avoir quand même gratifié de ce spectacle. Et allez, les bleus pour dimanche! C'est ça. Je vous rappelle, le live sera sur CDC Pro. CDC Pro. Ouais. J'espère qu'il y aura du monde. Il faut là on tape il faut taper les 200 là. 200 ah ouais, une finale de l'équipe de France, ça se fait du bien, faut y aller, faut être là. Voilà. Je vais aller sur pour tout le monde, hein, pour les rageux, ceux qui suivent, pas de problème aussi. On attend que ce soit des joueurs. On est là. Si vous aimez pas Denika 99, y a pas de problème, venez quand même. Tout accepte ce soir. Ouais, venez supporter les Allemands aussi, si vous voulez, c'est pas grave. Ouais, on s'en fout, ça fait des viewers. C'est tous les joueurs qui ont postulé en équipe de France sur le live. C'est pas mal, parce qu'il y en a quand même une centaine à peu près, donc c'est pas mal. Hein. Tous ceux qui viennent me voir en plus au courant de la saison. Tu recrutes, regardez. commence pas, oh, sérieux, ils vont croire qu'on a des dossiers sur tout le monde. Bon, allez. Bon, en tout cas, merci à Tonka. Ouais, merci. Merci à vous. Et puis, bah, à dimanche. Pour tout ce live, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on finit avec l'intro de l'équipe de France. Ciao. Salut, bonne soirée. Bon été. Ça bug ou il veut pas se lancer ?